Salut toi! Je t'attendais avec impatience. Et tu sais quoi? Cette vidéo a été faite spécialement pour toi. Je vais te raconter l'histoire de la valisette Petit Biscuit. Alors que le Père Noël et ses 9 reines partaient en direction du pôle Nord après leurs vacances d'été à Puricard, ils ont fait tomber de leur traîneau la valisette Petit Biscuit. Mais je t'arrête tout de suite, ce n'est pas un hasard. C'est un joli cadeau qui t'aidera à patienter jusqu'au 25 décembre. Eh oui, il pense à tous, Père Noël. Bon, revenons à nos moutons. À l'intérieur de la valisette Petit Biscuit, tu trouveras des petits sablés qui sont les fidèles compagnons du Père Noël. Ils comptent sur toi pour les décorer et leur donner vie. Tu as une seule mission, les faire briller de 1000 feux pour Noël. J'espère que tu acceptes ta mission parce qu'on commence. Pour la première étape, on doit fabriquer un cornet. Pour ça, munis-toi d'un papier sulfurisé et découpe un triangle rectangle. L'angle droit doit être en haut, à droite. Comme tu peux le voir sur la vidéo, rabats l'angle gauche sur le droit. Fais correspondre les deux angles, puis enroule le papier sur lui-même, de manière à ce que tous les angles soient au même endroit. Puis replie-les sur eux-mêmes, comme sur la vidéo. Attention, il est important que l'embout du cornet soit très fin. Si tu n'y arrives pas, n'hésite pas à utiliser une poche à douille. Prends le chocolat de ton choix et fais-le fondre 30 secondes par 30 secondes au micro-ondes. Entre chaque étape, remue et repasse 30 secondes au micro-ondes si nécessaire. Une fois ton chocolat fondu, aide-toi d'une cuillère pour remplir ton cornet. Attention à ne pas trop en mettre, il ne faudrait pas que ça déborde. Referme ton cornet en repliant les bords sur eux-mêmes comme tu peux le voir sur la vidéo. C'est maintenant à toi de jouer. Laisse libre cours à ton imagination. N'oublie pas, l'objectif c'est qu'il soit joli, mais surtout, surtout que tu t'amuses. J'ai tellement hâte de voir le résultat. N'hésite pas à utiliser plusieurs chocolats et à varier les décorations. Voilà, c'est déjà terminé. J'espère que ça t'a plu et n'hésite pas à tenter ta chance de gagner une surprise en demandant à tes parents de partager sur les réseaux sociaux de la chocolaterie de Puricard tes petits biscuits tout décorés. Merci beaucoup d'avoir participé et en attendant les prochaines vacances du Père Noël à la chocolaterie de Puricard, je t'attends toi, chez nous. À bientôt !